Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Val-de-Fontenay où nous avons pris le temps, comme on vous l'avait dit, de venir signer le protocole encadrement hôte des lieux. Ce protocole fait couler beaucoup d'encre, comme vous le savez. Il y a des réticences de part et d'autre. Nous, on vous invite au SATRATP à le lire, à prendre connaissance de ce protocole. Ce protocole n'a qu'un seul but, c'est de reconnaître le professionnalisme des encadrants aujourd'hui. 650, c'est pas rien, sur SEM, cadre, maîtrise, qui voient leur professionnalisme reconnu, avec un volet social conséquent qui pourrait être versé si les organisations syndicales prennent leurs responsabilités comme nous dès le mois d'août. Et ce volet social a au moins le mérite de reconnaître ce qui est fait au quotidien par les managers, c'est-à-dire la tenue des objectifs, les indicateurs propreté et autres, information et autres, enfin tout ce qu'ils font au quotidien, c'est la reconnaissance de leur professionnalisme depuis plusieurs années. Ils attendent qu'il y ait un petit geste fait par le département. Ben, aujourd'hui, il est dans le protocole. Contrairement à ce qui est dit aussi, et on tient à le dire pour le SATRATP, il n'y a pas de productivité. Il n'y a pas, contrairement à ce qui a été dit, une remise en cause du droit à la déconnexion, c'est faux. Il y a aussi la garantie d'un taux d'encadrement qui reste le même. Donc il n'y a rien aujourd'hui, manifestement, qui peut pousser les organisations syndicales à ne pas s'engager. Donc c'est pour ça que le SATRATP a pris ses responsabilités aujourd'hui, comme ça a été dit lors de la dernière séance du CSE, de venir signer et de ne pas prendre en otage une catégorie qui attend un geste de reconnaissance depuis fort longtemps. Voilà, chose promise, chose faite. Maintenant, à vous de vous intéresser à ce dossier, de ne pas ni nous écouter, ni écouter les autres, mais de prendre ce projet, de prendre le temps de le lire et de voir ce qui est intéressant pour vous. Et surtout, ben, si vous êtes convaincu que ce projet est bon pour vous et que le volet social est en adéquation par rapport à ce qui vous est demandé, ben, invitez vos organisations syndicales, ou pour ceux qui ne sont pas syndiqués, demandez des comptes aux organisations syndicales et regardez un petit peu et ne laissez pas les choses se faire sans vous. Voilà, on en a fini, on vous dit à très bientôt et on espère que jusqu'au 15 juillet, on aura les signataires suffisants pour pouvoir mettre en œuvre ce protocole. Si tel n'était pas le cas, comme on vous l'a dit et comme on l'a répété lors de la séance du CSE, donc le PV de la séance fera foi, nous, on prendra nos responsabilités et on invitera le département à se saisir du fameux article du Code du travail qui prévoit que quand 30% des organisations syndicales sont signataires, celle-ci ou une d'entre elles peut demander la tenue d'un référendum et solliciter directement les salariés concernés pour voir s'ils sont pour ou s'ils sont contre ce projet. Voilà, j'en ai fini, je vous souhaite une bonne journée et en espérant que ce protocole vivra. À très bientôt.